Expert Sony et comptable pour vous, bonjour. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo ici et vraiment cette vidéo j'avais pas envie de la faire, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais tester pour vous 2 jours sans téléphone. Voilà. Alors je le fais pas exprès hein, parce que voilà, je pourrais pas. C'est juste que j'ai fait tomber dans les chiottes et du coup il marche pas. Voilà. Et en vrai, du coup, approchez monsieur le cadreur. En fait, à chaque fois, tous les jours, j'ai des nouveaux cadreurs et ça me fout. Ouais. Des cadreurs de qualité, ma gueule. Oui. La feuille blanche de Mathéo. Attends, on la voit pas très bien. Et ben voilà. Regarde, ça c'est blanc. C'est du blanc. Bon, alors d'abord, qu'est-ce que ça fait de pas avoir un portable sur soi toute la journée? J'ai l'impression d'être présentateur. Sans être présentateur. C'est plutôt être dans une église et être présentateur. Tu vas où après? Bah, je rentre chez moi. Quoi? Je rentre chez moi. Oh, t'es un bâtard, mec. Putain, mais vous avez entendu ce cadreur là? Tu travailles pas en fait? Oh, cadreur à plein temps? Tu vas me laisser des week-ends de 3 jours? Je suis comme Nico, hein. C'est bon. Ménard! C'est un superbe plan, ça. Ah, tu viens d'en acheter une? Venez, c'est important. T'es en train de parler de mon téléphone qui est cassé, alors du coup, qu'est-ce que ça fait de pas avoir de téléphone? Ah, bah c'est cool chiant, comme c'est bon. Vidéo, non? Ouais. Zéro enthousiasme. En fait, c'est qu'elle est pas payée, elle est stagiaire. Elle aussi, tout le monde est stagiaire, la Blue Box, c'est pour ça. Au pire, tu me filmeras quand tu payeras. Allez, moi j'y vais. Je vais couper la vidéo. Non mais t'inquiète, je vais te payer plus tard. Ah oui, vous êtes là, désolé. Il est temps de vous dire ce que ça fait de ne pas avoir de portable pendant 2 jours. Alors tout d'abord, tu te sens déconnecté du monde, c'est sûr. Parce que tout le monde vit avec un téléphone aujourd'hui. Voilà, tu croises du monde dans la rue, il est sur son téléphone, voilà. Alors le soir, j'ai pris l'habitude maintenant de sortir, voilà, pour voir une personne. Voilà, cette personne, je la contacte tous les soirs par téléphone, je l'appelle, est-ce que tu sors ce soir? Sans téléphone, c'est compliqué. Alors il y a un truc aussi qui me fait rire, c'est cette habitude, c'est sûr tu l'as, c'est celle-là. Putain, mais ils arrivent quand là? Oui, sortir le téléphone pour faire genre que t'as des amis, mais pas du tout, voilà. Ce que tu regardes sur ton écran, c'est noir. Eh ben ça, j'ai pas pu le faire. bah non, parce que voilà, quand t'as pas de portable, enfin, c'est pas... Voilà, et du coup, tu commences à lire un peu tout ce qui passe par la rue. Alors, il y a un deuxième truc que j'ai remarqué, c'est qu'on est souvent et très très souvent sur notre portable. Sans notre portable, on est perdu parce que, tout simplement, j'étais le seul con à regarder mes potes sur leur portable. Ouais, du coup, mec, t'as fait quoi ce week-end? You, mec? Tu m'entends ou... T'as un nouveau téléphone à ce que je vois? Ah oui, j'ai un nouveau téléphone, c'est un iPhone 6 en fait, avec 230 Go et avec le... Il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est que les gens viennent plus te voir quand t'es pas sur ton portable et quand t'as pas de portable. Bref, en fait, est-ce qu'on va pouvoir vivre sans téléphone? Je ne pense pas. Et je pense que 2020 et les autres années qui suivent seront consacrées aux écrans. Peut-être on essaye de faire des évolutions, voilà. Alors peut-être ça sera pas le cas, mais je pense que le monde qui arrive va être très très virtuel et voilà, ça va être un peu moche. Il y aura moins de contact humain. Malheureusement, c'est notre avenir, voilà. Bref, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que vous avez rigolé sur cette vidéo hyper drôle. Et puis, à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.